Monsieur Tofer Hassini, bonjour. Bonjour et merci de pour votre invitation. Alors, effondrement de l'économie mondiale en raison du coronavirus, crash des plus grandes places financières, les États se confinent, fermeture de toutes les frontières aériennes, maritimes, terrestres, même au sein de l'Union européenne, même principe pour les États-Unis et le Canada. C'est une récession mondiale que nous vivons actuellement. Oui, et je pense qu'elle est déjà annoncée puisque les principales, je dirais, institutions financières commence pas à parler de la récession de l'année 2020. Elle reste, c'est vrai, assez exceptionnelle car inattendue, personne ne la voyait venir, même si vous vous rappelez, on n'arrêtait pas de dire attention, le crash financier s'annonce, les éléments qui devaient préluder à ce crash étaient déjà là l'année passée. On a essayé de rassurer les gens. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, la dimension de ce crash n'a pas de son exemple dans le passé. C'est vraiment un crash qui va avoir un impact assez durable. L'après-crise 2020 va nous amener à des changements majeurs d'une façon générale. Mais cette situation est sans précédent. Certains comparent cette situation à celle que l'on a connue en 2008. Elle est similaire ou totalement différente? Je pense qu'elle est totalement différente. Rappelez-vous, la crise de 2008 était d'abord une crise financière qui s'est circonscrite aux États-Unis, plus particulièrement après la décision de Lehman Brothers. Et ça a affecté... C'est vrai que ça a affecté d'une façon générale le monde, mais le système financier américain n'a pas du tout été ébranlé. Et si vous examinez aussi les évolutions des paramètres de marché, vous allez voir que c'était des tracés en V. Autrement dit, le prix du brut était redescendu d'une façon importante, mais il est remonté au même niveau. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Le prix du brut ne va plus remonter au niveau antécédent. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, c'est que la crise aujourd'hui n'est pas simplement financière, elle touche à la sphère réelle, donc à la sphère économique. Aujourd'hui, c'est la récession, on parle de récession. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui, que c'est une crise totalement différente et qui va avoir des changements fondamentaux au plan économique, au plan politique. Et je pense que le monde d'après va être totalement différent. Mais justement, quand vous dites changements fondamentaux, quand vous dites aussi avant 2020 et après 2020, ça sera totalement différent. Qu'est-ce que vous entendez exactement par vos propos quand on sait que le monde, quand il est en récession, les États-Unis en premier lieu vont en guerre? Nous sommes en guerre, d'accord. Mais cette guerre n'a pas commencé seulement en février de 2020. Rappelez-vous que d'abord, ce monde unipolaire était basé sur des guerres multiformes qui ont pris la forme de soit un boycott économique, soit des menaces de guerre et parfois des guerres circonscrites au Moyen-Orient, pour prendre le cas de ces guerres circonscrites et permanentes aujourd'hui. Mais en fait, les véritables affrontements se sont entre les États-Unis et la Chine. Et c'était la fin d'un monde unipolaire pour essayer d'évoluer vers un monde multipolaire. C'est pour ça que je dis l'après 2020 sera la fin du monde unipolaire. Et est-ce qu'avec ça, ce sera la fin du dollar? Ça aussi, c'est une autre question qui va affecter l'ensemble de ces changements dont je viens de vous parler.
Mais justement, quand on parle de toutes ces questions, est-ce qu'on peut considérer que le coronavirus a eu un impact négatif sur la géoéconomie mondiale actuellement, de telle sorte à changer toutes les habitudes, que le monde se referme sur lui-même, qu'il n'y ait plus, même quand on parle de fermeture de toutes les frontières aériennes, maritimes et terrestres, et qu'il n'y a plus de commerce. Les pays ne commercent plus entre eux, à commencer par les pays de l'Union européenne, qui ont fermé toutes leurs barrières, pourtant elles étaient toutes ouvertes. Oui, mais ceci est aussi lié, en fait, à ces guerres dont on parlait tout à l'heure, qui ont, en fait, pris la forme de guerres économiques. Et commerciales. Et commerciales. Dès l'instant où on parle d'économie, c'est bien sûr commercial. Et vous avez vu comment ont évolué les différentes révolutions, de la première jusqu'à la troisième aujourd'hui, était basé fondamentalement sur l'énergie. La première, le charbon, la deuxième, l'hydroélectricité, la troisième, le pétrole. Et le pétrole qui était devenu l'arme économique des États-Unis. Puisque ce qu'on a appelé en fait le chantier mondial dans le reste de l'économie, c'était la Chine. Et la Chine a su habilement évoluer d'un simple chantier pour devenir la première puissance économique. Les États-Unis avaient vu venir ça. Ils avaient prévu même une échéance, c'était 2025, que la Chine allait être la première puissance économique. Et dans ce cadre-là, il est clair que les combats se sont orientés de plus en plus dans ce domaine économique. Et en utilisant ce qui restait comme puissance économique aux États-Unis, c'est l'énergie, le pétrole. Et vous êtes passé de la troisième à la quatrième révolution industrielle qui, elle, va être sur les énergies renouvelables. Et dans cette... quel est l'impact du coronavirus? Si la transition est économique et par là même la transition énergétique devait, d'après les États-Unis, durer encore une dizaine d'années, avec le coronavirus, elle va être réduite à 5 années. Donc voilà un peu l'impact. Et ça veut dire 2025. 2025, c'est demain. Et c'est dans ce sens-là où je dis que tout va changer maintenant. Mais qu'est-ce qui va changer de toute façon aujourd'hui, puisque le monde se confine? Certains disent qu'on est passé carrément de la fiction vers le réel, puisqu'il y avait eu déjà des films qui avaient été réalisés sur cette question, et même dans certains ouvrages et certains livres, on avait parlé pratiquement du confinement du monde à horizon 2020-2025. Bon, je pense que la fiction est une forme de réaction contre des menaces qui doivent venir, mais dont on ne connaît pas les formes. Qui c'est qui aurait sincèrement pensé que ce que nous vivons aujourd'hui allait arriver? Personne ne pouvait y penser. Il faut être réaliste. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui est parfois le résultat de, je dirais, de certains responsables politiques qui ont dépassé la sagesse dans la gestion des événements comme celui que nous connaissons. Et je pense que la réaction d'un président Trump, par exemple, a faussé beaucoup de choses. Comment cela? Écoutez, le président Trump, écoutez, vous avez remarqué, on avait parlé de guerre, mais multiforme. Il y avait quand même une vision assez tacite sur la gestion du Moyen-Orient, sur la gestion du problème palestinien, sur la gestion de l'exploitation des ressources énergétiques. Dès l'instant où les États-Unis se sont défaits de cette dépendance de ces régions-là avec le pétrole et le gaz de schiste, ça a ouvert des perspectives de revenir à un monde unipolaire très puissant. Et c'était la mauvaise appréciation de la capacité de résilience de la Chine et de la Russie. Et l'erreur, à mon avis, est dans ce cadre-là,
Et aujourd'hui, il est clair que un état de fait s'est installé. On a vu la Chine. La Chine est arrivée à dépasser la menace aujourd'hui. La Chine est aujourd'hui en train d'aider les Européens pour gérer leur crise. Donc, le poids et l'approche des insoutenus par une cohésion sociale importante en Chine, ce qui n'est plus le cas aux États-Unis. Mais justement, par rapport à ces scénarios que nous sommes en train de vivre actuellement, le monde unipolaire, le monde qui se confine, les frontières totalement fermées, plus de commerce, plus de troc, plus d'activité, plus aussi de déplacement vers les États, tout le monde reste confiné dans son pays pour faire face à ce phénomène du coronavirus. Vous avez certains indicateurs qui vous disent aujourd'hui, par exemple, certains avaient, par exemple, vu venir, puisque dans certains ouvrages, comme celui que je vais citer ce matin, d'Alexandre Adler, le rapport de la CIA qui dit qu'il y aurait un virus H1N1 qui muterait de l'homme vers l'homme, puisque par le passé, et qui aurait des conséquences sur, bien sûr, le changement géopolitique de l'univers. Après 2020, ça sera comment? Les frontières vont se rouvrir ou pas du tout? Aujourd'hui, les phénomènes que nous constatons, vous avez un repli sur soi. C'est ça. C'est la réaction normale de tout État qui se voit menacé dans la gestion de ses ressources. Et la sécurité de la survie de ces nations-là, c'est de penser qu'ils peuvent vivre en autarcie. Et ce réflexe-là ne mènera nulle part. Et les conséquences, c'est... Aujourd'hui, on parle de la fin de la mondialisation, si on continue dans cette voie. Mais il y a quand même, je pense, des signes qui nous permettent de penser que ça ne peut pas évoluer comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque on essaie d'entrer dans le détail de cette crise pour voir quelles sont les voies de sortie, je vous ai dit qu'on est en train de passer à la quatrième révolution industrielle. La quatrième révolution industrielle nous permettra en fait de pouvoir gérer un peu ce déséquilibre social. Lorsque vous voyez quels sont les acteurs qui interviennent dans tous ces changements, le premier acteur, c'est les jeunes. C'est les mouvements de jeunes aujourd'hui qui voient que les richesses ne sont plus de façon uniformément réparties entre les différentes. Vous avez l'élimination de la classe moyenne et vous avez aujourd'hui peut-être 15% de la population qui possède 80% de la richesse mondiale. Ce système est par lui-même condamné. Donc, arriver à comment sortir de cela, c'est pour ça, moi, l'espoir, c'est la réaction des jeunes. Je dis, Greta, elle a un effet beaucoup plus important que ce qu'on pourrait le penser. Et le vieillissement de la population, par ailleurs, fait que le poids du jeune peut devenir un peu plus important demain. Et comment ceci va pouvoir se réaliser? L'innovation, la recherche, ça va être les vecteurs qui vont nous permettre de pouvoir dépasser cette crise. Tout se fait à distance. L'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas rater le coche. Alors, Monsieur Tofer Hassani, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites, nous sommes à la veille de la quatrième révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle. L'Algérie ne doit pas rater cette opportunité. Mais certains parlent aujourd'hui d'une troisième guerre mondiale qui est à nos portes entre la Chine et les États-Unis, puisque la Chine a accusé ouvertement les États-Unis d'être à l'origine de ce virus. Parler de guerre aujourd'hui n'est plus possible. Il y a la neutralisation. Dès l'instant où l'arme nucléaire existe, il n'y aura plus d'affrontement majeur, je ne pense pas. Aujourd'hui, ce seront fondamentalement les guerres déséquilibrées qui vont intervenir par des tiers, c'est tout. Mais elles seront en premier lieu des guerres économiques.
Ça, il faut qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, le problème de rareté des ressources remet en cause toutes les approches précédentes des rapports entre dominants et dominés, où certains pouvaient exploiter d'autres parce qu'il y avait encore des ressources à exploiter. Cette rarification des ressources va amener des réactions plus importantes des dominés aujourd'hui. Hein, et on le constate bien que les réactions vont venir. Donc, on sera obligé d'arriver à un certain partage du développement. Sinon, c'est la planète elle-même qui est remise en cause. Donc, la surconsommation doit s'arrêter. Autrement dit, les grands pays, les grands gaspilleurs vont être obligés de réduire leur consommation. Et à ce moment-là, accepter de partager. C'est la survie qui doit de l'ensemble des populations, de l'ensemble des pays. Alors, effondrement de l'économie mondiale en raison du coronavirus, crash des plus grandes places financières, les États se confinent. Quelles conséquences sur l'Algérie seront les conséquences? Est-ce qu'elles seront désastreuses aujourd'hui? Puisque nous avons vu que le baril est à moins de 30 dollars ce matin. Oui, alors, on continue encore une fois à parler du baril. Le passage à la quatrième révolution industrielle annonce, comme on l'a dit, la fin aussi du pétrole. Et la première réaction à avoir dans ce cas-là, c'est de dire, le pétrole sert à quoi? Il sert au transport. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le passage à un transport électrifié n'est plus un mythe. C'est une réalité dans laquelle il faille s'inscrire. Et j'ai bien noté qu'on parle maintenant, on commence à parler de voitures électriques en Algérie. Ben, il faut y aller maintenant. Maintenant, autre chose. Lorsqu'on voit ce qui se passe, l'impact dans le monde, personne n'a été surpris en Israël. On demande maintenant, classe, on ne parle plus de Netanyahu. Et ça, c'est aussi l'impact de ce, non pas du coronavirus, mais de la récession qui va venir. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans l'interprétation de ces... Donc on est là aujourd'hui, je vous ai parlé des changements géopolitiques importants. Changements géopolitiques, quelles conséquences aujourd'hui sur l'Algérie? Elles seront désastreuses? Je pense que nous avons déjà fait notre révolution politique. Et aujourd'hui, nous avons un facteur de résilience, c'est quand même cette cohésion sociale qui, il est vrai, a été apportée par le Hirak. Maintenant, il faut vraiment optimiser cette cohésion sociale et non pas l'utiliser pour diviser. Il faut qu'on puisse comprendre qu'aujourd'hui, nous avons besoin. L'Algérie, c'est tout le monde qui participe. Il n'y a aucune exclusion de l'ensemble des participants. Alors, quatrième révolution industrielle, c'est celle de l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. On a beaucoup de retard. Oui. Énormément de retard. Mais ce qui me gêne, c'est que nos jeunes ont cette capacité de s'approprier cela. Je vois tous nos jeunes à l'étranger, comment ils ont su s'intégrer dans cette démarche. Comment ils peuvent nous aider à évoluer vers cette quatrième révolution industrielle et vers cette transition énergétique aussi, parce que c'est ça aussi le déterminant. L'énergie restant toujours un secteur des plus stratégiques qui soit. Et nous avons les plus grandes richesses au monde dans ce domaine. C'est pour ça que je reste optimiste, moi. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour nous adapter? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour nous adapter? C'est, premièrement, pour surmonter aussi cette crise qui va aussi être très difficile. Il faut comprendre que focaliser sur le voir l'avenir à travers le rétroviseur. L'État qui fait tout, il faut qu'on arrive à comprendre que c'est fini. Il faut qu'on amène toutes ces ressources, les véritables acteurs, ces jeunes qui sont en train aujourd'hui de piaffer et de voir que notre pays mérite mieux que ça. Nous pouvons les mettre à contribuer. Nous devons revoir aussi notre système de formation pour adapter à ces nouveaux besoins qui vont venir pour les métiers du futur. Nous devons aussi
revoir tout l'environnement de l'investissement, la réforme. Nous devons aller vers aussi. Alors, il faut lever tout ce qui est interdit. Je ne peux pas accepter qu'on nous dise on interdit la crypto-monnaie. Non, demain, la crypto-monnaie peut avoir aussi son rôle à jouer. Il faut aller vers le développement de zones franches où on pourra tester toutes ces innovations qui, pour pouvoir nous servir de pilote et pouvoir faire la tâche d'huile après pour le pays. Mais dans ces zones franches, on doit lever toutes les barrières administratives. On doit lever toutes les contraintes qui peuvent exister à l'investissement. Alors, il faut aussi miser, ne plus miser sur le pétrole, développer d'autres ressources pour être un peu concurrentiel par rapport au monde de demain, puisqu'on parle plus d'électricité et plus de moyens de locomotion électrique. Il faut s'adapter à tout ça, à toutes ces réalités, puisque nous accusons déjà du retard. C'est clair. Lorsque vous parlez de mettre de côté le pétrole, mais écoutez, les gens ont déjà compris. Lorsque vous prenez le cas des plus grands producteurs de pétrole, à savoir aujourd'hui l'Arabie Saoudite, la Russie, lorsque l'Arabie Saoudite produit un maximum de 6 dollars le baril, la Russie, maximum 3,5 dollars le baril. La Russie peut tenir même avec un pétrole à 20 dollars. L'Arabie Saoudite n'a pas compris cela. L'Arabie Saoudite espérait, en prenant les marchés des Russes en Europe, pouvoir mettre à bas la Russie. Donc, et elle a perdu. Et la Russie lui a fait la démonstration. Donc, conclusion, le prix du pétrole n'augmentera pas. Et toutes les prévisions sont pour cette année, ça ne devra pas dépasser les 41 dollars. Et d'ici à 2025, ça se situera entre 50 et 60 dollars. Pourquoi je dis 50? Parce que le schiste américain ne peut pas survivre à moins de 45 dollars. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui de telle sorte à nous en sortir? On parle de l'intelligence artificielle alors que nous accusons du retard. On n'a même pas réussi encore à mettre en place le paiement en ligne avec le confinement. On le voit aujourd'hui avec le confinement des personnes qui sont enfermées chez elles. Mais il y a l'argent qui circule, l'argent virtuel. Nous n'avons pas cette capacité. Est-ce qu'il va falloir aussi commencer par le commencement? C'est-à-dire, même en étant en situation de confinement, payer nos factures, pouvoir avoir des opérations en ligne, effectuer des opérations, au moins pour s'alimenter. Vous êtes en train de décrire ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Il faut qu'on mette la transparence dans tous les sujets. Il faut accepter que toutes les informations soient réunies dans des big data disponibles à tout le monde. C'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais. Alors, si vous faites ça... On parle d'améliorer notre système de santé, mais peut-être il va falloir aussi améliorer notre système de gouvernance financière. On était en train de discuter avec le responsable dans ce domaine, et on disait, écoutez, aujourd'hui, quelles sont les priorités? Aujourd'hui, le citoyen, par exemple, prenons le cas juste du logement. Imaginez comment avoir... On peut récupérer toutes les informations sur l'ensemble des populations qui sont démunies. Et ensuite, pourquoi l'attribution du logement ne peut pas se faire d'une façon informatisée? Ce sera les big data qui seront ramenés avec l'intelligence artificielle. Ils vont vous définir exactement quels sont ceux qui ont droit à ces logements. Demain, vous allez pouvoir aussi définir quels sont ceux qui auront droit à des subventions. Le poids des subventions est fatal. Nous sommes à près de 30 milliards de dollars. Nos recettes ne vont pas dépasser les 25. Comment on va faire? Alors qu'on promet encore des mesures d'aide sociale. On ne pourra pas les fournir. Donc, il faut qu'on sorte de ce cercle vicieux qui fausse le marché. Dès l'instant où vous financez les hydrocarbures avec près de 15 à 16 milliards de dollars, vous ne pourrez pas introduire les énergies renouvelables. Avec toutes vos campagnes de sensibilisation, vous ne pourrez pas le faire si vous ne touchez pas à la poche. Donc, augmenter, réduire les subventions, on ne dit pas augmenter les énergies renouvelables, on dit réduire les subventions accordées
aux énergies fossiles. Et vous verrez qu'on va rétablir les véritables règles du marché. À ce moment-là, tout le monde voudra investir dans les énergies renouvelables lorsque le prix de l'électricité atteindra les 8 dinars le kilowattheure. Ce qui est aujourd'hui faisable avec les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, qu'on considère comme étant une priorité nationale. Le Premier ministre l'avait déclaré il y a deux jours ici, dans ce même plateau, en disant que dans la loi de finances, nous allons axer sur beaucoup d'aspects dans la transition énergétique. Mais il faudrait aussi aborder la transition numérique, la transition financière, parce que nos banques sont en retard aujourd'hui. C'est tout l'environnement, en fin de compte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire la puissance, la capacité de résilience d'un pays? C'est d'abord la bonne connaissance de sa situation pour cerner ses faiblesses et pouvoir ensuite faire les bonnes prévisions qui nous permettront de sortir de cette crise. Mais quand on parle aussi d'intelligence artificielle, et si on appelle par exemple au confinement, nous serons totalement isolés parce qu'on ne pourra pas travailler à distance, on n'a pas développé ces aspects-là, et on ne pourra pas aussi demander des prestations à distance, par exemple se faire livrer le lait et le pain. Vous avez... à domicile, parce qu'on n'a pas le paiement électronique. Mais c'est pas seulement rien que ça. Aujourd'hui, on a développé la culture de la rente. Moi, vous entendez encore les gens, vont vous dire, écoutez, il faut qu'on ait notre part du pétrole. Il faut augmenter le SMIC à 30 000 dinars. C'est toute cette transformation dans les esprits. Ça va prendre un peu de temps. Ne pas... plus compter sur l'État, mais sur soi. Voilà. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez rien faire. Alors, transition énergétique, on a du retard. Qu'est-ce qu'il faudrait faire impérativement aujourd'hui? Alors, le solaire, c'est une ressource inépuisable. Aujourd'hui, nous avons quand même une chance. Dans notre malheur, nous avons quand même une chance. C'est, si on survit au coronavirus. Voilà. Il n'y a plus... le grand problème, c'est que cette crise, cette récession, va amener une réduction des possibilités de financement. Cependant, on a expliqué le problème de climat, le changement climatique, être plus fort que les autres crises. Et les financements aujourd'hui vont être disponibles pour tout ce qui peut contribuer à faciliter l'impact sur le climat de toutes les pollutions qui peuvent exister. Et à ce moment-là, vous avez des financements qui sont dédiés aux énergies renouvelables. Si vous ouvrez simplement, il faut qu'on lève toutes les barrières à l'investissement. Et ils vont venir, vous ne vous en faites pas. Vous êtes aujourd'hui, avec notre potentiel de solaire thermique, nous sommes la sécurité énergétique de l'Europe, ne l'oubliez pas. Nous sommes la sécurité énergétique de l'Europe. J'ai apprécié l'intervention d'un responsable français qui s'exprimait dernièrement, c'est un ancien Premier ministre, qui disait la France a besoin de l'Algérie. L'Algérie a aussi besoin de la France. Mais la France a besoin de l'Algérie, aujourd'hui. L'Europe a besoin de l'Algérie. Pour la sécurité énergétique. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait développer impérativement sur cette question? Impérativement. Pour qu'on amorce un peu cette quatrième révolution industrielle. Alors, il y a tout un programme de développement des énergies renouvelables pour les besoins et pour l'export d'ici à 2050, qui sont en cours de discussion dans le cadre des 5 plus 5 élargis. Je pense que là, les 5 plus 5 élargis seront ouverts à des relations plus équilibrées. On parle de revoir les relations avec l'Union européenne. L'Union européenne risque d'être un mythe. Par contre, les 5 plus 5 élargis restent quand même un domaine concret de coopération. Alors, l'économie algérienne ne risque rien pour la simple raison qu'elle n'existe pas. Extraire du pétrole et du gaz, les vendre pour acquérir des services, des biens et des services surfacturés avec une monnaie non convertible, ce n'est pas de l'économie. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais lorsque je vous disais
on va créer des zones franches. Lorsque vous créez une zone franche sur des ressources qui peuvent garantir une monnaie, une crypto-monnaie dans ce cas-là. Alors, on peut imaginer des blockchains. Une blockchain, c'est quoi? C'est une chaîne de valeur qui vient garantir une monnaie. C'est une crypto-monnaie peut être créée. Ça se fait. Le Nigeria l'a fait. Je ne vois pas comment nous, on ne pourra pas le faire. Alors, lorsque vous avez circonscrit ça à une zone franche, vous prenez quand même un cas d'école qui reste limité et facilement contrôlable. Alors, notre pays importe presque tout et notre économie dépend uniquement de la rente pétrolière. Et comme le baril a chuté automatiquement, les conséquences seront désastreuses. C'est le cas? Oui, bien sûr. Avec l'effondrement aussi, l'épuisement de nos ressources financières, que ça, nos réserves, je vous ai dit 60 que milliards de dollars. Vous avez le maximum attendu, 25 milliards de dollars. Des subventions à 30 milliards, là c'est la catastrophe. Mais la question qui se pose actuellement avec cette crise mondiale et cette récession que le monde connaît, avec les dispositions qui sont prises au niveau des États, les dispositions nouvelles qui seront aussi prises en Algérie, le confinement éventuel ou l'arrêt de certaines activités commerciales, est-ce que l'État va financer aussi les emplois pour éviter que ces emplois ne partent ou ne disparaissent? Parce qu'il y aura automatiquement des conséquences sur les entreprises qui emploient, même si ce sont des toutes petites entreprises. Avec quoi? Sur le commerce. Avec quoi vous allez financer? Et c'est la grande question, comment on va faire? Vous allez la planche à billets, c'est la récession. Et l'inflation, vous allez avoir, se retrouver comme le Venezuela, avec 4 salaires pour acheter un pain. C'est là le risque. Mais l'arrêt des activités actuellement, notamment les activités commerciales, culturelles et sportives, auront automatiquement des conséquences sur l'activité des entreprises. Sincèrement. Quelles sont nos créations de richesses? Parce que vous parlez d'arrêt. De quelles activités? Les seules activités que nous avons, c'est sur la traque. Qu'on soit bien clair. Et sur la traque, il ne s'arrêtera pas. Oui, mais il y a des activités commerciales. La restauration, c'est des activités pour nous. Ça ne crée pas de richesse. Oui. Non, moi, oui, mais elle va être à l'arrêt. Une économie est basée d'abord. Les Français, lorsqu'ils parlent de l'arrêt des activités, et ils acceptent de financer les emplois, c'est pour les entreprises qui créent des richesses, qui vous ramènent de l'argent. Nous, dès l'instant où nous ne créons pas de richesses, l'impact de l'arrêt de cette économie est limité. Voilà ce que je dirais. Mais ce n'est pas favorable. Je dis, c'est la véritable analyse des limites de notre économie qui n'arrive pas à se relancer. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Là. Alors, mais ces questions, il va falloir leur trouver des solutions rapidement. Il faut agir vite. Le temps peut devenir une fatalité. Attention. Pour nous, on prend beaucoup de temps pour agir. Absolument. Monsieur Toufir Hassini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.